Salut tout le monde, c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur The Last of Us partie 2, on poursuit notre aventure. On vient d'affronter un méga boss. Pas de dire ça comme ça. Non. Je suis d'accord, personne ne le croira. Donc, on a quand même récupéré ce qu'il nous fallait en termes de soins pour procéder à l'opération de la petite Yara. Chose à récupérer. Ouais. C'est bien, c'est que du coup. On trouve un site d'amélioration. On peut voir combien on a. 45. Ouais. Pas énorme, il en faudrait un petit peu plus. J'espère qu'Yara tient le coup. J'espère aussi parce que la pauvre était pas dans un bon état. C'est vrai qu'on est un peu une fugitive pour Isaac maintenant. Doublement. Ça t'a recherché. T'as fait quoi au juste ? Rien du tout. Je t'avais dit de pas bouger. J'ai pas eu le choix. Tes amis sont absolument partout. T'as trouvé ce qu'il nous faut ? Ouais. Il faut qu'on trouve le moyen de se tirer d'ici. Avec le bateau, c'est tout facile. C'est vrai qu'il a peur des chiens. Vas-y, caresse-le. Caresse-la. Vas-y. Là, tu vois. Magnifique le sourire. C'est fait. Tu peux aller la voir si tu veux. Elle va s'en tirer. Salut toi. C'est des gosses. Ouais. Je sais. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? On a peut-être arrêté de chercher la lumière. Peut-être. Je vais voir comment elle va. Ok. Ok, d'où les bandages quand on arrive avec Ellie, on se demande ce qui s'est passé. C'était l'opération Niara. Ok. De retour à l'hôpital. On va aller à l'endroit habituel, la salle d'op.
Seattle, jour 3. Oh, déjà? Ouais, je crois qu'on avait besoin de repos. Je suis pas tout à fait sûr, mais vu les derniers événements. Owen, y'a que moi. Waouh. Qu'est-ce que tu fais debout? Je changeais les pansements de Yara. J'en reviens pas qu'elle soit sur pied. Normal. Les scars sont des durs. Pourquoi ils s'engueulent? Je t'emmerde, Yara. Jamais je t'abandonnerai. Lev veut rester à Seattle. Owen leur a proposé d'aller à Santa Barbara. Ah, c'est pour ça qu'elle fait la gueule. Ça, c'est tout, Owen. Je pensais que tu réussirais à le convaincre de pas y aller. En fait, je pars avec eux. Oh. Je ne veux plus te voir. Quoi? Il a peut-être gobé ton numéro avec des gosses. Mais moi, non. Tu crois que je fais semblant? La meilleure tueuse d'Isaac qui s'en tiche de deux scars? Rien à voir avec Owen? Pas vrai? J'ai fait des erreurs, je le reconnais. T'es une ordure, Abby. Tu l'as toujours été. Ok. J'en ai marre de toi. Tu veux les aider, ces gosses? Dégage de leur vie avant de la foutre en l'air. Oh! Y'a de quoi. Putain. Abby. Chouette t-shirt. Est-ce que ça va? Ça va, ton bras? Bah, c'est déjà mieux que ce matin. Lève, s'est calmée. Ça ira. Oh. Tu veux bien m'aider à le chercher? Il était très énervé. Bien sûr. Il est parti par là. On va le chercher sans armes, sans rien. Lève. Lève. Oui, c'est vrai qu'ils savent siffler. S'il te plaît. Pourquoi Lève veut pas aller à Santa Barbara? Il s'inquiète pour notre mère. Il a peur de ce qui pourrait lui arriver à cause de nous. Et il a raison de s'inquiéter? Il devrait d'abord s'inquiéter de sa propre sécurité. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal à votre mère? Il arrive que les parents soient tenus responsables des péchés de leurs enfants. Mais notre mère suit les règles. Tout ira bien pour elle. Il y aurait moyen de faire quelque chose. Pour l'aider? Il ne pourra pas la convaincre de partir. Personne ne le peut. Et j'ai peur de ce qu'elle pourrait faire à Lev. Lev! Lev! Tiens, je me demande s'il a vu ça. Les requins.
Il adore les requins, mais il déteste l'océan. Vous avez beaucoup discuté, on dirait. Il faut croire que ça rapproche d'échapper de peu à la mort. Il a dit que t'avais été courageuse. Tu as entendu ? Lev ! T'es là-dedans ? Hey, n'aie pas peur. Tout va bien. Elle veut jouer, c'est tout. Salut, ma belle. T'as trouvé quoi ? Tiens, regarde. Va chercher, ma belle. Sympa. C'est pas du tout flippant. Bateau au-dessus. Qu'elle veut que tu le relances. D'accord, encore une fois. Sacré mâchoire. Tu veux essayer ? Je crois pas que ce soit une bonne idée. Elle ne peut pas me mordre, hein ? Non, pas de danger. Bon, sinon, on y va ? Voyait comme ça, elle lui sauterait dessus pour l'étrangler. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'il t'a raconté ? Pas grand-chose. J'ai entendu les vôtres l'appeler. Ah, c'était bien ça. T'es pas sûr. Pendant longtemps. Je n'ai pas compris pourquoi il remettait en cause nos lois, nos traditions. Quand il m'a expliqué ce qu'il ressentait au fond de lui, je lui ai dit qu'il ne devait en parler à personne. J'espérais que c'était seulement passager. Il a eu l'air d'aller bien après ça. Puis c'est raser le crâne. Comme le font les hommes. C'était du une fille. C'est là que vous êtes partie. D'abord, je lui ai crié dessus. Je l'ai frappé. J'étais une imbécile. J'étais effrayée. Hey, j'ai une idée. J'avais peur des conséquences. On va trouver un cadeau pour Lev. Allez. Et qu'est-ce qui l'a poussé à le faire ? Je veux dire, se raser la tête. La semaine dernière, on lui a attribué son rôle au sein de la communauté. Il voulait devenir un soldat comme moi. Un pas. Excellent. L'un des anciens. C'est... Oh. La tradition. Pauvre gamin. C'est où Santa Barbara ? C'est en Californie. Et la Californie, c'est où ? Je vais te montrer. Là, c'est Seattle. Et... Là, Santa Barbara. Et notre île ? On la voit pas, mais elle est par ici. C'est tellement loin. Ouais. Tant mieux. Ouais.
doit bien y avoir quelque chose qui traîne dans le coin. Un peu moisi les t-shirts. Ah, peut-être pas celui-là. Non. On peut trouver mieux que ces t-shirts. Plein de choses là-bas. Le tour ici. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Une boule à neige. Ça, c'est mignon. C'est marrant, en fonction de comment je balance la manette, ça. C'est génial. T'as trouvé quelque chose? Non. Continue à chercher. Alors... Et ça, t'en dis quoi? C'est parfait. Mais elle a tort, tu sais. T'es quelqu'un de bien. Tu me connais pas. J'en sais assez. Abby, tu pourrais arrêter de piquer mes affaires, s'il te plaît. Désolée, je savais pas que tout dans l'aquarium t'appartenait. Bah, c'est mon aquarium. Mes affaires. Je rigole. Tu prends ce que tu veux. Toi, non. Est-ce que tu as vu Lev? Oui. Dans le couloir, là-bas. Ok. Je peux te parler. Je te rejoins. D'accord. Elle ne comprend pas mon humour. Je suis nul avec les gosses. C'est clair. Mais t'aimes bien, toi. Alors, tu viens à Santa Barbara, hein? T'as entendu ta femme ou pas? Solution. C'est trop tard. Non, pas du tout. Écoute, je sais. Je sais que c'est le bordel. Je sais. Mais on peut être ensemble. Happy. On peut être heureux. T'as entendu? Qu'est-ce qui se passe? Et la tempête approche. Lève, reviens ici. Non. Lève. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut la retrouver. Qui ça? Sa mère. Elle va le tuer, Abby. Le bateau est prêt? Pas encore. Dans combien de temps? Quelques heures. Merde. On va le rattraper. On prend un bateau à la marina. Hé, elle vient de se faire opérer. Je vais bien. Elle doit m'aider à le retrouver. J'ai un aussi. Owen! C'est dangereux là-haut. Oui, justement. Je vais pas la laisser y aller seule. Tu restes ici. Je peux t'aider. Ouais, en commençant par réparer ce putain de bateau. C'est ça. Reste là où t'es plus utile. Yara, on y va. Elle pourrait dire merci. Voilà la marina. Tu te sens bien? Ça va. Ok. Et vite. Les Wolves utilisent cet endroit? On y amarre quelques-uns de nos bateaux. Ok. Faut le retrouver, le petit. Wow. Oh, c'est trop loin.
Viens. Je te rattrape. Je vais y arriver. Continuons. Franchement, elle est impressionnante, la petite. Hein. Déjà, moi, je serais dégoûté. Je perds un bras, je sais que j'aurais moins de chocolat, mais bon. Elle, elle continue. Non, on s'en fout. Ça se trouve, elle a jamais mangé de chocolat. Oh, mon Dieu. Pour atteindre ton village sans se faire tuer. Je connais des endroits le long de la côte où on pourra accoster discrètement. Ensuite, on prendra des petites routes. Alors, attends, il y a des trucs là-dedans. Plus que les autres, en tout cas. Tu crois que Lev finira par changer d'avis? Non. Tu devrais pourtant savoir ce qu'il attend. Oui, je sais. Mais il est trop indulgent avec elle. En même temps, c'est sa mère. L'autre truc dehors. Il est cool ce train. Alors là on est bien, là on va être pas très bien. Là. On va se mettre bien aussi, là on n'a pas d'armes, et ben voilà on est full. Ici on est à 24 sur 40. Elle va pouvoir nager la petite ou pas? Il y a des trucs dans le camion. Bon. Abby, par ici. Merci. Laisse-moi faire. Je m'en occupe. Allez, c'est bon, vas-y. Yam. J'ai foutu la lumière dans les yeux, la pauvre. Les bateaux sont de l'autre côté, là-bas. Il faut qu'on remonte et qu'on contourne par la route. Ok, ça marche. Yara. Alors là on a une échelle. C'est pénible avec vos portes fermées. Reste sur le ponton. Je prends un bateau et je te récupère. Non, je vais t'aider. Pas cette fois. Je m'en charge, ok? Waouh. La tempête fait rage. Hop.
Dépêche-toi ! Oh bordel ! Il m'a fait peur ce con ! Pourquoi t'es là ? Un sniper ? T'es venu seul ? Ouais. Merde ! Ce sniper, c'est un putain de... Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Les canons, on devait attaquer l'île cette nuit. Et ce pendejo s'est pointé. J'ai envoyé un gars chercher de l'aide. Les renforts vont arriver. Enfin, j'espère. Merde, Yara. Il me faut un de ces canaux. Maintenant. Pourquoi ? Plus tard, les questions. Dans ce cas, il va falloir que tu m'aides à le descendre. On y va. Planque-toi ! Steve va buter toute mon équipe. T'inquiète, on va le choper. Putain d'intrus de merde. De quels intrus tu parles ? Ça fait quelques jours qu'ils ont débarqué de nulle part. Ils font un max de dégâts. Abby ! Oh. Rien de grave ! Par ici. Allez, allez ! Il y a un medikit, faut en profiter. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ouch. La rue est impraticable. Merde. Viens, on va dans le garage. On peut se servir de ça. Vas-y, je te suis. Allez. Chariot tombe en morceaux. Faut y aller. Allez. Sans déconner, c'est ces intrus qu'il faudrait attaquer. Pas cette putain d'île. Quoi, l'assaut est maintenu ? Peut-être même qu'il a déjà été lancé. Très bien. Et bah, c'était tendu. D'ailleurs, ça. On va le recharger à bloc. Mani. Allez, Mani. Bordel. Merde. Il les attire vers nous. Prépare-toi. Oh l'enfoiré. Okay.
mec arrêtera pas! Je sais! C'est parti. Vas-y. Il est passé où? Il peut pas être loin. À terre! Et merde! Merde, Mani! Allez, allez, allez! Surtout, t'arrêtes pas! Sortons-le de sa cachette. C'est Tommy. Mani. Tant pis. On va... Ouais, Tommy, il a pas hésité. Il y a un moment, il y a un truc que je comprends pas. Et comment est-ce qu'on n'a pas entendu le fait qu'il ouvre la grille? Le restaurant. Ça me rappelle le premier avec Ellie. Oh bordel! Oh Yara. Waouh. Est-ce que ça va, Abby? Ouais. Et toi? Oui. C'est-tu qui? Merde. C'est pas important. On retrouve Lev et on rentre à la... Allez, on prendra le bateau.
Oh là 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 là. C'est pour ça qu'il était pas très très en forme quand il est rentré au théâtre et qu'on l'a retrouvé après. On va essayer. Oui, on est là pour ça. Notre mère se trouve là-bas. Est-ce que c'est loin? De l'autre côté de l'île. Merde. Et si on se fait repérer? On va éviter les grosses routes. Personne ne nous verra. T'es sûr que les wolves vont attaquer cette nuit? Ouais, c'est un ami qui me l'a dit. Ils vont profiter de l'orage pour passer inaperçus. À moins qu'Isaac change d'avis. Votre chef, Isaac, qu'est-ce qu'il veut? Mettre fin à la guerre. Oui, mais à quel prix? Au point où on en est? À n'importe quel prix. C'est ça. En haut. Va réussir à monter? C'est le plus rapide. Il débrouille pas mal. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans? Abby, ah. Je fais le plein de j'arrive, j'arrive. Juste au cas où. On en est où là d'ailleurs? On est pas mal. On est pas mal. Oh bordel. Juste de vue. Je suis désolée. Pour tes amis. C'est comme ça. Pourquoi est-ce que tu nous aides? Lev m'a posé la même question. C'est juste que vous méritez pas ça. Et puis, je sens que j'en ai besoin. Je dois le faire, c'est tout. Un pas. Village? Non, ça c'est Haven. Le nôtre est plus loin dans les terres. Belles installations en tout cas pour la survie. J'ai un peu moins contre le côté scarificatif, mais bon. Oh non. C'est quoi ça? C'est notre signal d'alerte. Les wolves sont là. Toute l'île est en alerte maintenant. Il faut qu'on se dépêche. Tu fais chier, Isaac. On va être pris entre les wolves et les... Oh là là, ça va être un bordel. Combien de personnes vivent ici? Là, c'est super beau. Combien de soldats? La moitié d'entre nous est en train de combat. Et que fera l'autre moitié quand les wolves vont débarquer? Certains iront se cacher, mais les autres vont se battre. Attends, je vais voir dans le bâtiment, il y a peut-être des trucs à ramasser. Une biche. Poisson. Il y a personne ici. Ils sont allés se battre. Ils ont des animaux aussi. Hein. Oh. Non, trop gros. Ah bah voilà. Oh.
Alors, elle est où la petite? Bon, deux Zeus. Puisse sa lumière nous guider dans la tempête. Quand tu es dans les ténèbres, cherche la lumière. Qu'est-ce que tu dis? Un truc que mon père disait souvent. Et bon, on y va, t'as fini? Lara Croft. Et on y va. Bien. Par qu'on fasse de l'infiltration à tous les coups. Et apportez-les dans l'abri, vite. C'est pas bon. Comment on peut passer? Le portail sera fermé. Par la Syrie, le grand bâtiment à droite avec les torches. Ça mène vers l'extérieur? Oui, on peut couper par là. Parfait. Viens. Fermez le portail, verrouillez le camp. Et... Enfin, 2 heures pour viser quoi, sérieux. Je vais t'abattre. À terre. Bon sang. Ok. Je crois que c'est fini. Ça va? Oui, juste un peu essoufflé. Il y a de quoi? Après le bordel qu'on vient de foutre? Bon bah je vais quand même visiter pour ramasser. Bien. Ok. Pas besoin de medikit. Bon. Y'a rien là-dedans.
Ben voilà des flèches. C'est vrai que j'aurais pu le faire à l'arbalète quand même. Allez, on y va. Eh bien, quelle aventure, les amis. Vous savez quoi? J'ai envie de faire une pause ici. Wouah. Ok, il y a les bateaux des Wolves qui arrivent. Tes amis, regarde. Ça va être la guerre. Puisse-t-elle nous protéger? Yara, il faut y aller. Il faut y aller, mais ce sera pour le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. En tout cas, pouh, c'est passionnant. Hein. Je suis à fond. Je suis à fond dans ce scénario. Franchement, chapeau. Merci Naughty Dog parce que c'est un jeu très très qualitatif. J'espère en tout cas que vous appréciez autant que moi et que vous vous amusez bien à visionner cette série. On se dit à dès demain matin pour la suite de notre aventure. D'ici là, plein de bisous. Bonne continuation à toutes et à tous. Bye bye.